Hey, salut! Waouh, ça me fait bizarre de parler en français dans une vidéo parce que je suis même habitué de parler en anglais, là. J'étais très inactif, je le sais. Aujourd'hui, petit challenge! Petit challenge pour moi. Moi qui aime beaucoup manger de la viande, aujourd'hui, on va essayer d'être végétarien. Végétarien pendant une heure. Vous avez bien entendu. Donc, je sens que ça va être assez difficile. Je sais pas comment ça va se terminer. J'espère que ça va bien aller. Puis ouais, moi, il faudra savoir que, genre, je respecte les gens qui sont végétariens, mais je ne serai pas capable d'être végétarien. Fait que, ouais, c'est parti. C'est parti, là, exactement 2h45 et à 3h45, le challenge va être terminé. Let's do this! Bon, là, ça fait exactement 10 minutes que le challenge a commencé. Pour l'instant, ça va bien, ok, pour l'instant. Là, je sais pas trop comment ça va être la suite. Là, c'est sûr que j'ai un gros pénis. J'ai envie de manger quand même de la viande. Je vais pas vous le cacher, j'ai vraiment envie. Mais là, je vais essayer quand même de me calmer un peu, de penser à d'autres choses. Puis, là, c'est sûr que c'est ça. Je commence un peu à avoir une petite faim. Donc, j'ai fait des recherches un peu sur les internets. Puis, je pense que j'ai un peu classique d'un végétarien. Donc je pense que c'est ça que je vais aller me préparer dans quelques minutes. Donc si vous voulez, je vais vous montrer quel plat. On va préparer le plat ensemble, en fait. Fait que ouais, on va faire ça. On se voit dans quelques secondes. Bon, donc là en ce moment j'ai un peu faim. Fait que je vais me faire un classique repas végétarien. C'est parti. Ça semble pas mal bon. Ça, c'est un plat assez végétarien, je vous dirais. Un classique plat végétarien que ceux qui ne mangent pas de viande aiment beaucoup. Puis c'est naturel, donc ouais, il n'y a pas de viande, pas rien. Donc ça devrait être bon. Actuellement, ça sent assez la nature, pour être franc avec vous. Et je pense que je n'ai plus vraiment faim en ce moment. Donc ouais, c'est pas mal ça, en fait. Bon, là, en ce moment, ça va faire bientôt, ça va faire, en fait, genre, 35 minutes. Puis, je me sens assez pas bien en ce moment. Là, j'ai faim, puis, je sais pas quoi manger. Donc, je pense que je vais manger une pomme. C'est ça, je pense pas qu'il y ait, de viande dans une pomme. Alors, ici, j'ai une pomme juste ici. J'ai une pomme, donc je vais être obligé de la manger si je veux survivre. Mais là, je suis vraiment en manque de viande en ce moment. Et puis voilà, c'est pas. Ne refaites pas ça chez vous, parce que en ce moment, c'est ça. En ce moment, je vais pas bien, puis j'ai comme le goût de vomir, en fait. J'ai vraiment le goût de vomir. Ah, je suis vraiment pas bien. Bon, la pomme est bonne. J'ai déjà mangé quelque chose de mieux, mais c'est correct pour l'instant. Mon organisme a vraiment besoin de vitamine B et de protéines. Ok, là je me sens vraiment pas bien. Ouf. Oh mon dieu, je sais pas si je vais garder terminer le challenge. Il reste 5 minutes encore. Là il est 3h40. Je sais pas, je vais appeler à l'hôpital. Je sais pas. Oh, je sais pas, là je commence à me sentir vraiment affaibli. Je suis plus capable de marcher. Ouf. Oh non, j'ai besoin, il manque de protéines en ce moment dans mon corps. Ouf. Ah.
Oh, je pense que je vais vomir. Ouf, ok, là je vais aller me reposer. Bon, le challenge est officiellement terminé. Il est 3h45 et je vais aller me reposer parce que là je me sens pas bien. Ouf. Ah, j'ai vraiment besoin de viande. Je pense que je vais me commander un gros steak. Je pense que je vais aller me préparer un gros steak. Un hostie de gros steak. Salut là.